mentir que de le dire. Les Racingman n'ont pas démérité, mais Toulon a bien mérité le bouclier de Brennus. Victoire 15 à 12. Alors, pour résumer ce match, eh bien, nous avons embauché un journaliste à l'essai. Il s'appelle Philippe Guillard. Est-ce que vous êtes vraiment journaliste, Philippe Guillard, vous qui êtes normalement le trois-quarts du Racing? Écoutez, je vais vous dire, je... Prouvez-le. Vous pouvez le prouver. Est-ce que vous pouvez le prouver tout de suite parce que j'ai reçu... officiellement la carte de Brennus. Montrez-nous ça. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Alors. Ça veut dire, Philippe, que vous avez joué la finale et qu'en même temps, le même jour, vous avez reçu la carte. C'est-à-dire que non, samedi, je l'ai reçu, mais comme samedi, on est parti se reposer un peu à la boulie avant de jouer. Je l'ai reçu aujourd'hui, enfin, quand je suis rentré ce matin, très... En plus, vous avez reçu, en plus, vous avez reçu un coquin. Non, c'est la maquilleuse. D'accord. Alors, vous avez amené un stagiaire avec vous, Pierre Salviac, c'est ça, c'est un nouveau. Pour cette émission, j'ai invité Pierre Salviac, qui va nous parler un peu de la finale du championnat de France. Mon cher Pierre, allez-y, c'est à vous. Je voulais seulement dire que le journalisme menait à tout à condition d'en sortir. Vous en êtes bien sorti, puisque c'est au Parc des Princes que vous avez fait votre grande première hier. Et j'avoue, vous étiez quand même mieux placé que nous tous pour juger cette finale. D'ailleurs, on pourrait peut-être d'ailleurs vous voir à l'image pour vérifier que vous avez bien joué dans cette finale. Vous étiez le numéro 17. Vous êtes entré en deuxième mi-temps à la place de Jean-Baptiste Lafont. Et les téléspectateurs vont être témoins. Le voici, Philippe Guillard, vont être témoins que vous étiez l'un des héros de la fête sur la pelouse du Parc, face à Toulon. Alors, bon, vous l'avez donc vécu cette finale mieux que nous, peut-être plus difficilement aussi, c'est vrai. Mais vu de la pelouse, cette finale, c'est quoi? Je pourrais pas dire, parce qu'à la fin du match, on m'a demandé si je devais y aller, si je devais pas y aller, si Pouillot devait me donner le ballon ou pas. Et je crois qu'on est mieux placé tribune de presse, quand même. C'est plus facile d'être là. Oui, c'est plus facile de voir le match. Mais à ce propos, d'ailleurs... Jacques Rivière, qui est mon secrétaire de rédaction, m'a demandé gentiment, vendredi matin, au téléphone, ce qu'il devait faire de l'accréditation pour la finale. Parce qu'il avait demandé, il m'a dit, allô, il était stressé en plus, il me dit, allô, vite, qu'est-ce que je fais de ton accréditation? On se voit où pour que je te la donne? Je lui dis, écoute, tu prends un maillot du Racing, un paquet de Marlboro, tu mets ça sur mon pupitre et c'est bon. Alors, ça veut dire qu'entre la tribune de presse et la pelouse du Parc, vous avez choisi la pelouse du Parc. Vous commencez bien mal, mon cher confrère. On va voir en image les principales phases. Oui, on va voir en image les principales phases de cette finale, gagnée fort justement d'ailleurs par l'équipe de Toulon. Qu'il a bien mérité ce titre de champion de France, tant il est vrai que les Toulonnais ont dominé le championnat toute cette saison et que hier soir, face au Racing, ils ont fait l'éclatante démonstration qu'ils étaient bien les meilleurs. Ça vous a surpris cette première mi-temps toulonnaise et cette furia toulonnaise, si on peut dire? Ça m'a surpris parce que là, j'étais tribune de presse un peu. À ce moment-là, vous étiez encore sur le banc des remplaçants. Je n'étais pas encore rentré. Et vous attendiez une telle entrée en matière? Oui. L'aspirateur, on balaye, chandelle, et puis allez, vous attendez à ça. Oui. Avec un Jérôme Galion omniprésent hier. C'est vrai, mais Gérald Martinez aussi. Et pas tout, là, il est pas tranquille du tout, votre entraîneur. Non, pas du tout. Il est d'autant moins tranquille que sur cette action, les Toulonnais vont encore être dangereux. Là, c'est le petit Blanc. Non, c'est Blanc qui est dangereux, en fait. Oui, enfin, il est dangereux, oui, parce que là, il fait un mauvais dégagement que récupère Kobe pour une relance. Et regardez Melville, car je crois qu'il a été devant l'homme du match côté Toulonnais. C'est lui qui a donné l'accélération au moment où il fallait, avec un Jérôme Galion, homme d'orchestre, irrésistible. Mais tout de même, des Parisiens en défense, rassurant. C'est une finale du championnat de France, quand même. Qui c'est celui-là, là? C'est Jésus-Christ, je crois. Ah, c'est Daniel Herrero qui se faisait encore du souci à cet instant du match. Mais avec Eric Champ, figure de proue aussi, l'équipe toulonnaise pose son jeu. On fait voir de toutes les couleurs à la défense du Racing. Et ce drop de Trémoud qui passe, à ce moment-là, j'imagine que côté parisien, vous n'emmenez pas large. Non, on n'emmène pas vraiment large, mais bon, je sais pas, il y a 20 minutes de jeu, donc on a l'intention quand même de se la donner et d'essayer de revenir un peu dans la partie. Et tiens, c'est là que Franck Ménel... fait un exploit personnel. Francky, le roi de la fin de passe. Quoi. Là, il a oublié un peu de monde au passage. La balle va jusqu'à l'aile, mais là, Jean-Baptiste Lafont la refuse. Et c'est une tentative avortée côté Racing. On arrive à la mi-temps. Monsieur le Président Ferras part du col de nationalité avec le Président de la République à propos des étrangers dans le rugby français, puisque le Racing était privé au dernier moment de Gosper. Et Toulon continue de dominer le match et va marquer un essai superbe consécutivement à cette attaque. D'abord une fixation par l'intermédiaire de Trémouille, qui avait réussi le drop en première mi-temps, et une relance côté fermé de Jérôme Galion. Alors là, un 2 contre 1. Et Jobert qui marque, et dans le public, Toulon-Jobert.
Mais je barre, mais au sens le plus sympa du terme, croit maintenant à la victoire. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, le Racing, à ce moment-là? Parce que là, vous êtes entré. Mais là, on pose la goupille, là. On pose la goupille, on a décidé de contre-attaquer des vestiaires. Parce qu'on ne peut pas rester sans fierté. Je veux dire, une finale, c'est une finale. Et... Bon, là, voilà, c'est un essai de galopin quand même qui marque. C'est un galopin. Et Daniel Herrero, là, il se fait du souci. Parce que vous revenez à 3 points. Voilà, c'est là où Didier... Ben là, je vais bien le voir, puisque je suis tribune de presse. Et c'est vous, là? Oui, c'est moi, mais oui, c'est très, très mal joué, ça. Oui, vous avez oublié le petit coup de pied à suivre, oui, c'est ça? Oui, j'aurais peut-être pu taper à suivre, mais ça va trop vite pour moi, là. Voilà, et vous êtes battu. Et vous êtes battu. Battu par Toulon. Chapeau bas, Toulon. Je crois qu'on peut le dire, c'était vraiment une finale réussie. Peut-être pas une finale réussie sur le plan technique, mais au niveau du suspense, c'était parfait. Et au niveau de l'ambiance et de l'atmosphère, de l'état d'esprit, c'était véritablement la finale du Manoir avant la lettre. Je dois donner, à titre de précision personnelle, et vous en serez témoin peut-être un jour, c'est la première fois que je vais dans un vestiaire de vaincus, et je vois les vaincus chanter. J'entends les vaincus chanter. Vous êtes fou, vous n'êtes pas comme les autres, qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, on n'a pas l'impression d'avoir joué, enfin, on a l'impression d'avoir joué une finale, mais... On n'a pas la même pression que les clubs en province et on ne s'en rend pas compte encore. Il n'y a que Gérald Martinez qui, d'ailleurs, même s'il avait un peu envie d'être triste, m'a dit au bout d'une demi-heure, il m'a dit « mais je ne comprends pas, j'arrive pas à être triste ». Alors du côté de Toulon, en revanche, c'est la très très grande joie. Jean Mamère, vous les avez suivis? Eh oui, je les ai suivis, il faut bien se dévouer à un moment ou à un autre. Hein. Alors, hier soir, on a décidé de suivre et Toulon et Paris, parce que c'est plus difficile, en fait, de suivre une finale de championnat de France qu'un tournoi à destination, parce qu'on n'est concerné que par l'équipe de France. Alors que là, il faut rester neutre, pas chauvin du tout, donc on avait décidé de suivre les deux. Alors, ça s'est passé très tard, quand même, on confondait un peu la petite et la grande aiguille, mais on est là à l'heure, le soir, et voilà le résultat. Alors, nous, on prend quand ça finit. Enfin, quand je dis ça finit, c'est surtout que ça commence. Et ça commence pour un délire le plus total. Un titre de champion de France, ça vous met dans un état second, et que l'on soit un entraîneur ou un joueur. Regardez Gallion, quand on est champion, on veut toucher le bouclier de Brennus, le premier, puis tout de suite. Et ensuite, on laisse éclater sa joie. Quand on est entraîneur, on veut le toucher aussi, mais alors là, regardez le résultat. Oh, ben Dieu. Je vous l'ai dit, du délire et de la folie. Mais quel contraste avec la tristesse certaine des perdants et l'impression confuse pour quelques-uns que s'arrête là une bien belle aventure. Une aventure préparée dans la joie et la bonne humeur, un clin d'œil vers un jeu qui ne doit pas se prendre trop au sérieux. Mais quand on n'a pas gagné, on n'a pas droit, comme Toulon, à la visite du président de la fédération. Vous le méritez. Merci. Quand on perd, on a la mine triste et le cœur lourd. Et doucement, très doucement, on fait comme si de rien n'était. Sautissons de joie et dans le petit escalier, qui n'en finit pas de monter. Mais surtout, à Paris, on sait apprécier quand on perd la visite d'un grand seigneur, le capitaine adverse. Et qui a dit qu'au rugby, l'amitié n'existe pas? Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, un titre de champion de France, ça vous assomme complètement. Tout devient flou. C'est émotionnellement riche. Bel adversaire. C'est bien, des hommes loyaux. Des hommes qui ont beaucoup donné pour leur club, pour leur couleur. C'est bien. Et puis, quand on est redescendu sur terre, le plus dur reste à faire, affronter les supporters. Sans oublier, bien sûr, pour chien de garde, le bouclier de Brennus tant convoité.
Mais que l'on soit à Toulon ou à Paris, tout se termine dans le rugby toujours par des chansons. Quelle belle image, Gallion et Gérald Martinez dans les bras l'un de l'autre après une finale comme ça. Chapeau les gars. La petite rubrique maintenant des...